What a fun morning. Uh, from everything we've shared with you, you can see how important these services are for us because at Apple, they entertain, inspire, inform, and enrich our lives. divertir, inspirer, informer et enrichir nos vies l'insatiable appétit des gafa Google, Amazon, Facebook et Apple dont nous venons d'entendre le patron Tim Cook entouré d'une pléiade de stars hollywoodiennes. Il dévoilait cette semaine ses ambitions dans le domaine des services et de la vidéo en ligne, une attaque frontale contre Netflix et Amazon. Amazon qui vient lui-même concurrencer Facebook et Google sur le juteux marché de la publicité en ligne. Bref, on pourrait l'oublier à force de les rassembler sous un sigle communs. mais ces quatre géants sont loin de former une famille unie, chacun dans son couloir, préoccupé par une seule ambition, grandir encore et encore, déborder sur le jardin du voisin. Super Size Me, comme on dit, aux États-Unis. Le reste semble encore trop secondaire. Quid des fake news, des contenus diffamatoires, blessants, voire dangereux Facebook a surfaire de son mieux, des équipes spécialisées ont été mises en place, mais il reste encore des trous dans le filet algorithmique. Aux États-Unis, il a fallu que des élus californiens fassent les gros. Yeux pour que les réseaux sociaux fassent la chasse aux contenus anti-vaccins. Chez nous en France, le sort des PME qui vendent leurs produits sur Amazon ne semble pas préoccuper plus que celle le géant américain. Une charte de bonne conduite, non merci, colère impuissante du gouvernement, business as usual. Et si les GAFA nous lançaient une invitation à la lucidité, elles qu'on adore détester mais qui se sont fait une si grande place dans nos vies, omniprésentes, omniscientes, elles connaissent nos goûts, nos passions, nos adresses, pas celles du percepteur, me direz-vous L'OCDE compte se pencher dessus. En attendant, la guerre des géants peut continuer. Elle va se durcir, c'est une certitude, au profit peut-être de nouveaux entrants, plus petits, plus agiles. Les Chinois sont déjà en embuscade, aux Européens désormais de se positionner. France Inter, on n'arrête pas l'écho. Fabien Cazot. Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine éco du samedi. Un grand merci en ce 30 mars à coyenne guyenne qui nous accompagne à la réalisation. Valentin Pérez à la préparation. Sans oublier, Charles Pélabon en régie. Nous allons voyager aujourd'hui en votre compagnie jusqu'à 10h. Nous allons prendre le bus. Il paraît que c'est bon pour notre pouvoir d'achat. En tout cas, c'était la promesse de la loi Macron qui a libéralisé ce secteur il y a 4 ans. Des solutions pour voyager moins cher, Iliana, ont-elles trouvé leur public Nous recevons dans une demi-heure le directeur général de Flixbus France, un des plus gros opérateurs sur ce marché, Yvan Lefranc-Morin. Nous essaierons aussi de passer notre permis de conduire moins cher en s'intéressant aux plateformes en ligne et aux difficultés qu'elles causent aux auto-écoles traditionnelles. Puis direction l'Allemagne en voiture électrique puisque les diesels y sont peu à peu bannis des centres-villes. Les chiffres, meilleurs que prévus pour l'économie française. Ce n'est pas si courant et ça se fête avec un bon débat du samedi. Bonjour à vous, Christian Chavagneux, Alternatives économiques. Bonjour à tous. Et bonjour Emmanuel Lechy de BFM Business. Bonjour tout le monde. Une croissance meilleure que prévue en 2018, des déficits un peu moins lourds. Y aurait-il une fenêtre favorable pour lancer des réformes aussi lourdes que la fonction publique ou la dépendance Ce sera notre débat du jour. Bonjour Sandrine Foulon. Bonjour Fabien. Votre chronique M'a vie au boulot. On fait votre entretien annuel d'évaluation à la fin de l'émission, c'est ça Oui, j'ai des choses à vous dire Fabien, mais je répondrai aussi à une question de Vincent qui veut savoir s'il peut sécher cet entretien annuel d'évaluation. Merci Sandrine et rendez-vous tout à l'heure à 10h05. 27 mars 2019. La réforme de la fonction publique. Le projet de loi. Le plan du gouvernement. Qui était présenté ce matin en Conseil des ministres. Eh bien, devrait être adopté avant l'été. Le texte prévoit notamment un recours plus important au contractuel pour attirer des salariés venant du privé. Possibilité de rupture conventionnelle comme dans le privé. Est-ce que cela sera suffisant pour supprimer 120 000 postes 120 000 postes. 120 000 postes. Moi, je constate que quand on passe de 3,4 à 2 de déficit. Gérald Darmanin. J'aurais été avec Bruno Le Maire. Maire, ministre du budget et des comptes publics. Le ministre qui a baissé le plus ce déficit dans l'histoire de la Ve République. Mmh. Il y a à peu près un petit peu moins de 5 millions d'agents publics, hein. il y en a un petit peu moins de 3 millions pour l'État. très très précisément combien de fonctionnaires. Bah, les choses le bougent, ce qui est vrai. Si vous voulez me faire dire que l'État doit être un meilleur DRH, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'on peut avoir la même qualité de service. Christian Jacob, avec effectivement moins de fonctionnaires. Président du groupe LR à l'Assemblée nationale. Mieux payé, davantage de mobilité et de meilleurs déroulements de carrière, c'est-à-dire donner des perspectives à des fonctionnaires qui aujourd'hui très vite arrivent en haut de l'échelle et après se trouvent pendant 20 ans sans perspective. Le gouvernement continue à stigmatiser les fonctionnaires. Philippe Martinez. C'est une rengaine qu'on entend. Secrétaire général de la CGT. Le nombre de fonctionnaires proportionnellement à la population n'a pas augmenté. En France, les citoyens et la situation sociale, le monde, sont très attachés à leurs services publics. Il y a des demandes de services publics, parce que des gares ferment, des maternités ferment, des hôpitaux ferment. Benoît Hamon. Il y a moins de centres d'accueil justement de personnes âgées dépendantes. Candidat Génération aux élections européennes. Et on va continuer à fermer des services publics, on va supprimer 120 000 emplois de fonctionnaires. Combien sont ceux, notamment parmi les personnes retraitées, qui regrettent aujourd'hui d'avoir un numéro de téléphone automatique, une borne numérique en lieu et place d'un fonctionnaire auparavant, un être humain Et moi je regrette aujourd'hui qu'on nous dise que demain le service public sera formidable quand il n'y aura plus personne. L'économie française face à ses totems et ses tabous. On a encore vu cette semaine à quel point le débat sur la fonction publique peut s'enflammer dès lors qu'il s'agit de se disputer sur le nombre, le temps de travail et le statut des fonctionnaires. Il est aussi des débats économiques plus délicats à aborder lorsqu'ils résonnent dans nos vies privées et intimes. La prise en charge de nos aînés dépendants, anéantis, nous y reviendrons tout à l'heure. Intéressons-nous d'abord, si vous le voulez bien, au cadre économique et budgétaire dans lequel s'ouvrent ces chantiers. Christian Chavany, Emmanuel Le L'Insee nous a dit mardi que la croissance Française avait été un peu meilleure que prévu en 2018, que les déficits se creusent un peu moins vite que prévu et que les prévisions européennes nous disent qu'on s'en sortira mieux ou moins mal en France qu'ailleurs en 2019. Y voyez-vous des nouvelles encourageantes ou pourrait-il ne s'agir d'après vous que d'un feu follet qui veut commencer Emmanuel bah, C'est vrai que sur la croissance, euh, on a des chiffres qui sont un peu meilleurs que prévu. Alors, premier point, c'est que la France profite dans la configuration actuelle de difficultés de l'économie mondiale, de, de ce qui est une faiblesse en temps de croissance, c'est-à-dire sa faible présence sur les marchés internationaux. Quand vous avez le commerce mondial qui va mal, un pays comme l'Allemagne qui exporte deux fois plus proportionnellement à son PIB que la France vers le reste du monde, est davantage pénalisée. Et puis, on a quand même distribué en France du pouvoir d'achat. Hein, euh, les politiques menées par Emmanuel Macron en partie, la baisse des cotisations sociales, la revalorisation de certains minimums vieillesse, plus les 10 milliards qui nous remet euh, finalement au mois de décembre dans la machine, donc fait que la France va plutôt pas trop mal s'en sortir. Alors avec ça, on a des bons chiffres. Du coup, mais est-ce que ça sera durable bah, Alors cette année, oui, sans doute, parce que le, le pouvoir d'achat il n'a pas encore été distribué. Et puis il y a les chiffres d'amélioration des déficits publics. Alors oui, euh, alors, on les entend, Bruno Le Maire qui nous dit en gros, on a mis fin, ça y est, à une dérive qui durait depuis dix ans, comme si c'était enfin une inversion de tendance spectaculaire. Oui, il y a des chiffres encourageants. La dette publique se stabilise, euh, euh, le ratio de dépenses et, et de fiscalité est plutôt bien orienté. Mais là-dedans, il y a un peu de bonne gestion. Il y a une conjoncture plus favorable que prévu, mais il n'y a pas beaucoup de changements euh, structurels. Christian Chavagneux. Oui, pardon de retirer le champagne au milieu de la fête, mais j'ai pas du tout la même j'ai pas du tout la même lecture. La croissance française en 2017, c'était 2,3%. Euh, on est passé à 1,6% en 2018. Euh, c'est quand même pas terrible terrible. Avec une contribution positive du commerce extérieur. Donc euh, on, notre commerce extérieur, pour une fois, c'est plutôt bien comporté. Contrairement à ce qu'a dit Monsieur Darmanin, notre ministre des comptes publics. Les exportations n'ont pas dépassé les importations. C'est le taux de croissance des exportations a été plus fort que le taux de croissance des importations. Mais c'est dû à quoi? Au fait que nos importations elles ont peu progressé parce que la consommation a peu progressé et la consommation a peu progressé en grande partie pourquoi Parce qu'on a créé beaucoup moins d'emplois l'année dernière que l'année d'avant. Je rappelle les chiffres 164 000 emplois, nous dit l'INSEE, créés en 2018 contre 342 000 en 2017. C'est pas franchement une bonne nouvelle. Et puis, dernier point on l'a entendu, monsieur Darmanin nous a dit avec Bruno Le Maire, on a été les ministres qui ont le plus réduit le déficit public de la 5e République. C'est absolument n'importe quoi. Hein. Euh, rappelons le déficit public en 2016. Quand y a, 2016. Bon, moins 3,5%, 2017 moins 2,8%, 2018 moins 2,5%. Allez, je vais dire que toute la réduction du déficit public de 2017, c'est dû à la politique d'Armanin, Le Maire et, et, et Macron. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on a baissé le déficit d'un point en un an. 2011, 2006, 98, 96, 94, j'arrête là, j'ai des flopées d'années où on a fait beaucoup mieux en France. Donc, non, là, de ce point de vue-là, ce n'est pas du tout un record de la Ve République. Alors, même si c'était est nu, est-ce que ça donne quand même quelques marges de manœuvre au gouvernement pour se lancer dans ces réformes d'ampleur dont on a parlé cette semaine, la fonction publique en particulier bah, On voit bien que l'objectif d'Emmanuel Macron, depuis qu'il est arrivé, c'est de gommer. Tous les particularismes français euh, qu'il considère comme des handicaps pour l'économie française. Euh, une économie, par exemple, dans laquelle la fiscalité pesait beaucoup trop sur le travail et le capital. Et euh, donc, il a décidé d'augmenter la CSG pour euh, répartir euh, tout ça. Et puis, il y a cette idée que la France est le pays qui réforme, qui dépense beaucoup plus que les autres pour ses retraites, trois points type. Donc, on va faire une réforme des retraites. Et puis, il y a cette quand même cette euh, fonction publique. Qui est euh, effectivement euh, considérée comme la plus pléthorique du monde. Alors, ça peut se discuter, hein, parce mmh. que les comparaisons internationales sont, euh, euh, sont compliquées. Mais, alors, pour le coup, le, le raisonnement était un peu fallacieux. Ce qui nous a été présenté cette semaine, ça a été cette fameuse étude euh, sur le temps de travail des fonctionnaires, euh, qu'il avait sur son bureau depuis février, qui, comme par hasard, sort à la veille de la discussion sur la fonction publique. Et ça qui, avec une espèce réforme, hein. de. Non, mais qui, avec une mais espèce de calcul de, de tableur Excel, nous dit bah, regardez, finalement, si les. Euh, <laughs> 190 000 fonctionnaires qui ne travaillent pas les 35 heures requises, travaillaient les 35 heures requises, eh bien ça permettrait d'économiser 30 000 postes de fonctionnaires. Comme si euh, en enlevant quelques heures à un fonctionnaire à Strasbourg ou à un autre à Lille, vous supprimeriez un poste à Paris. Donc ça c'est un peu euh, fallacieux. On voit bien que l'idée c'est de, ga de gagner quand même en agilité dans l'administration. Et là c'est vrai qu'il y a quand même... Euh, tout un tas de, de choses qui méritent d'être quand même modernisées, songez par exemple qu'il faut attendre 8 à 14 mois avant qu'une commission administrative se prononce, chaque fois mmh. qu'un fonctionnaire euh, doit être muté euh, songez qu'il y a euh, plus de 20 000 instances de dialogue social dans l'administration, donc tout ça oui, mérite d'être simplifié, alors, alors, et puis on voit qu'il y a des économies à la clé, puisque c'est toujours un calcul qui est contesté, mais c'est vrai que n'oubliez jamais quand vous embauchez un fonctionnaire, vous l'embauchez le, vous, le, vous jusqu'à la fin de ses jours, plus 30 ans de retraite, donc c'est 70 ans à la charge, quand même, de la société. Alors, on y va sur l'efficacité de la fonction publique, justement, Christian Chavagneux. Euh, on ne va pas débattre par millième fois de savoir s'il y a trop ou pas assez de fonctionnaires. Ouais, mais, quand même, euh, moi, j'aimerais bien quand même dire qu'il n'y en a pas trop en France. Ça, si ça me fait me partie de la même question, en fait. Est-ce que la transposition au public de ce qui existe dans le privé, cette culture de l'efficacité, le retour au contractuel pour diversifier les profils, hum. est-ce que ça vous semble être une piste à explorer au moins pour moderniser notre fonction publique Juste un petit point sur, sur, sur les chiffres, Fabien. Les, 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 les services non c'est tous les services publics en fonction des pays. Et Emmanuel l'a dit, c'est dur de comparer parce que euh, des fois c'est privé, des fois c'est public. Donc si on prend l'ensemble des services d'éducation, de santé, etc., et qu'on le ramène pour 1000 habitants, en France à peu près 125. Personne qui euh, de, développe ses services marchands, pour 000 habitants en Allemagne, c'est le même niveau, aux États-Unis, c'est 130. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin de. On n'a pas une, une fonction publique pléthorique. Alors, est-ce que le fait. Premier ministre, vous avez dit, on va piloter les services publics par la performance. Alors, est-ce que ça, ça nous permet de faire vraiment des, des gains d'efficacité Ça veut dire quoi, concrètement, euh, piloter par la performance La rémunération au mérite, par exemple. Hein le gouvernement a dit, euh, on, on, va, on, va, on va avancer. À... Ça veut dire quoi Passer le moins de temps possible avec les gens pour en traiter le plus possible. Parce qu'à la performance, ça veut dire. Quelque ça. Quel critère d'efficacité. Et voilà, et donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va. Est-ce que c'est compatible ça avec la nécessité d'égalité de traitement dans les services publics que le Premier ministre défend en même temps S'il euh, faut faire du rendement, du rendement, ça ne va pas marcher. Accroître la mobilité géographique des fonctionnaires euh, 3% des fonctionnaires changent de bassin d'emploi ou de région euh, au cours d'une année. L'ensemble de la population active, quand vous prenez le privé, c'est 3,7%. Donc ils sont pas moins mobiles. La mobilité professionnelle, du coup, est-ce que les fonctionnaires, faut peut-être pas les faire bouger un petit peu euh, Au cours d'une année, 2,5% des fonctionnaires changent de de job c'est 25% des gens dans le privé donc on se dit il y a un écart de 1 à 10 sauf que vous regardez dans le privé entre si vous enlevez ceux qui enchaînent les contrats courts ceux qui exercent plusieurs métiers ceux qui apprennent un travail après le chômage ceux qui sont en retraite etc on arrive à 2 2,5% en fonction que les, du fait que les gens sortent d'une formation ou pas donc on est vraiment je veux dire les fonctionnaires ils sont pas moins mobiles enfin le recours au contractuel c'est déjà pratiquement 20% ouais. des employés du service public euh, et, la, et la moitié des embauches. La moitié des embauches, aujourd'hui, il faut le savoir, de fonctionnaires, c'est plutôt des, des contractuels. Est-ce qu'il faut accroître ça Est-ce qu'on a besoin d'essentiellement de personnes à temps partiel pour avoir des services publics à temps partiel Ou bien, dernière solution qui a été mise sur la table cette semaine, on externalise. Et là, on a plein d'exemples. Le Royaume-Uni, la Finlande, l'Islande ont beaucoup externalisé. Le problème, c'est que ça coûte pas moins cher, ça coûte plus cher au budget. Alors tout en haut de la chaîne de la fonction publique, il y a la haute ou la très haute fonction publique. On sent qu'il y a des pistes de réforme. Euh, là, est-ce que c'est selon vous un sujet, un effort à faire en particulier là-dessus sur haute fonction publique, Emmanuel à bah, La haute fonction publique, euh, il y a l'aspect. Euh financier qui fait que c'est c'est pas là que se trouvent quand même les les très grandes masses. Euh, si vous voulez ma conviction intime et on l'a souvent dit ici, euh, le problème avec la haute fonction publique c'est que c'est le principal bastion du conservatisme euh, en France. C'est-à-dire que quand on a dit tout ça sur les 120 000 fonctionnaires qu'il faut réduire, on n'a toujours pas répondu à la seule question euh, qui vaut, c'est-à-dire Qu'est-ce qu'un service public moderne C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas mis les usagers, les fonctionnaires et l'État autour de la table pour dire mais c'est quoi l'administration dont on a besoin Moi, je pensais que le grand débat allait, allait servir en partie à ça. Là, on parle d'objectifs euh, budgétaires euh, uniquement. Budgétaire uniquement et donc, et, et je pense que la haute administration ne contribue pas, euh, ne contribue pas à euh, essayer d'améliorer le débat, c'est toujours euh, on, 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 on est dans une administration qui réglemente, qui contrôle, et qui mais fabrique la de la norme et de la fiscalité, oui, mais avec une forme de défiance, et ce sera un des enjeux de, euh, de, de pacte. Et puis, euh, honnêtement, moi je veux bien qu'on ait l'impression qu'on va révolutionner le statut de la fonction publique, mais il y a, enfin je veux dire, c'est des dizaines de décrets qui sont modifiés chaque année pour et faire évoluer ce statut de la fonction publique. La mobilité dans la fonction publique, mais... Tous les trois ans, vous avez des lois qui cherchent à encourager cette mobilité. Euh, vous avez eu les lois de 2009, 2013, 2017. À chaque fois, on a essayé d'encourager cette mobilité. Ils sont déjà mobiles. J'ai montré les chiffres. Voilà. Hein, et donc, on voit bien qu'il n'y bah, a, a pas de miracle. La vraie question qu'il faut se poser, c'est euh, quelle mission on veut remplir, avec quels effectifs, avec quels moyens. C'est cette idée du rapport qualité-prix, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça coûte moins cher et que les services publics soient de meilleure qualité. Et après, on en déduit les conseils. Enfin, après, on en déduit sur ce qu'il faut faire. Sur le plan des effectifs. Où est-ce qu'on les met Où est-ce que c'est nécessaire d'avoir des gens qui n'ont pas le même statut Oui, c'est vrai que si une caisse d'allocation familiale a un problème informatique, elle doit peut-être pouvoir aller chercher un informaticien au coin de la rue pour le faire travailler. Mais voilà. Alors, à propos d'objectifs budgétaires, il y a une réforme à 9 milliards qui arrive c'est celle de la dépendance. Pas d'impôts supplémentaires pour financer la réforme de la dépendance, promesse de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, Est-ce que vous la croyez Je crois que la réponse est non du côté d'Emmanuel Lechypre. Chypre. Pas d'impôt supplémentaire, si euh, si ça veut dire qu'on ne va pas créer d'impôt. Supplémentaires, euh, d'accord. Si vous considérez que euh, finalement euh, maintenir en vie un impôt qui aurait dû disparaître, euh, ça n'est pas créer un impôt supplémentaire, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que rappelez-vous que, que la principale piste aujourd'hui euh, pour financer cette dépendance à, 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 9, à 9 milliards par an, c'est de prolonger la CRDS hein, qui était faite pour financer <laughs> la dette sociale. CRDS. La CRDS, c'est ce que vous payez en plus, c'est les 0,5% que vous payez en plus sur, sur votre fiche de paye euh, pour rembourser une dette sociale. Ça a été créé à la fin des années 80. Ça devait s'étendre. Et puis, euh, finalement, chaque Premier ministre, euh, Lionel Jospin l'a prolongé, Jean-Pierre Raffarin, pareil, a rajouté euh, des sommes à rembourser, et donc voilà. Là, ça devait s'arrêter en 2024, et puis, on a bien l'impression que cette providentielle CRDS, que nous payons déjà sans trop nous en rendre compte, eh ben, elle va servir à financer la dépendance. Christian Chavagneux. On parle dépendance parce qu'on a eu un rapport cette semaine de Dominique Libaud, qui s'appelle « Concertation, grand âge et autonomie ». En fait, le rapport, il nous dit, c'est pas vraiment un problème financier. Ça y est, on s'est tous jetés sur la com du gouvernement et sur Agnès en disant c'est un problème financier le rapport il nous dit quoi le principal problème il va y avoir de plus en plus de personnes très âgées éventuellement dépendantes et le problème donc il y a beaucoup de demandes pour avoir des services et il n'y a pas d'offre parce que c'est des métiers sous valorisés pas bien payés avec beaucoup d'accidents du travail le rapport libo moi ce que je retire c'est la première la première idée forte c'est que il va falloir trouver des gens qu'il faut former qu'il faut valoriser qu'il faut payer correctement il faut simplifier les prestations et l'accompagnement des personnes en difficulté il y a des gens il ne des gens qui seront pas dépendants dans les dépendants il y a des gens qui ont les moyens et des gens qui n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, c'est très difficile d'aller chercher les aides. Il faut investir dans la prévention face à la dépendance. On peut, euh, euh, ce, ce, quand on est entre 65-70 ans et 80-85 quand on est dépendant, il y a des moyens de faire de la prévention. C'est tout ça qu'il faut faire. Alors après, oui, on peut se demander avec quel argent. Honnêtement, moi, j'ai été surpris par ce chiffre du rapport. 80% des coûts de la dépendance sont déjà pris en charge par la solidarité nationale. Donc on est simplement sur les 20% qui restent. Globalement, il nous faut combien Vous l'avez dit, Fabien, il nous faut 9 milliards de plus. Il y a un pic entre 2030 et 2040. Ce n'est pas un problème qu'on va traîner pendant des générations et des générations. Il y a un pic de 10 ans, simplement, avec un besoin supplémentaire de 9 à 10 milliards. Mais 9 à 10 milliards sur une économie qui produit 2200 milliards de richesses par an, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est un petit problème budgétaire. Justement, pour conclure en quelques mots, ça fait au moins 10 ans, voire plus, que les gouvernements successifs le traînent comme un boulet, ce sujet de la réforme de la dépendance. Personne n'arrive à la faire. Vous pensez qu'on va y arriver cette fois, Christian Chavagneux oh bah À 10 milliards, c'est déjà fait, c'est même pas un problème. Emmanuel Le plus dur, ce sera la révolution des mentalités. Parce que tout nous est toujours présenté comme une question de moyens et comme si finalement notre vie, c'était on travaille à temps plein jusqu'à 62 ans. Le, le lendemain, 67, hein, plutôt. So, oui, le lendemain euh, on est à la retraite et quand on n'est plus à la retraite, on finit à l'EHPAD Et bien non, tout l'enjeu, c'est justement de lisser tout ça, c'est-à-dire que comment on organise la prolongation du temps de travail dans les entreprises, etc., pour travailler plus longtemps, parce qu'il faudra quand même travailler plus longtemps. On et là, c'est un, un vaste sujet. Oui, mais on ne peut pas rester 67 ans, on peut pour pas la à, temps plein. Ans à la retraite plus que dans n'importe quel autre pays pour toucher en plus les retraites les plus généreuses, alors qu'on est le pays dans lequel on travaille le moins. Ça, il faudra que... Ça, la ça, ça il faudra.. Change. Et puis il faut inventer plein de nouvelles offres. Christian a raison, et ça c'est des gisements d'emploi. Il faut lisser en fait toutes ces transitions. On note bien vos pronostics à vous deux. Merci Christian Chavagneux, merci Emmanuel de Chypre et on ouvre à présent le chapitre mobilité dans n'arrête pas l'écho. Direction l'Allemagne. unser nächstes Thema, der Streit um Fahrverbote für Dieselautos in deutschen Städten ist auch zum Streit um Grenzwerte geworden. Et on retrouve le correspondant permanent de France Inter, Ludovic Piétenu, en Allemagne. Bonjour Ludovic. Bonjour Fabien, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être avec nous en ce samedi matin. Ludovic, deux grandes villes allemandes, Bonn et Cologne, s'apprêtent à interdire totalement l'accès de leur centre-ville aux véhicules diesel. Après-demain, lundi, est-ce qu'il s'agit d'une tendance marquante en Allemagne Le diesel est-il en train de disparaître de la carte Oh que oui, c'est une tendance lourde au pays de la bagnole, Fabien. Et puis là, quand même, où a été inventé le diesel, c'est vrai que ces interdictions passent mal. Hambourg a ouvert le bal des restrictions, c'était l'an dernier, le 31 mai, en barrant deux routes dans l'hypercentre. En début d'année, Stuttgart a interdit son centre-ville. Et puis à partir de lundi, vous l'avez dit, tout comme Bonne et Cologne, la zone sera étendue carrément à l'ensemble de l'agglomération. Cela en fait donc déjà quatre. Il y a même aussi dans la Roure un tronçon d'autoroute interdit au diesel, le seul pour l'instant vous ajoutez bientôt à l'été quelques axes parmi les plus pollués de la capitale Berlin mais aussi deux routes à Darmstadt, Idem à Aix-la-Chapelle et Francfort voilà le tableau. Et on imagine qu'il y a forcément un impact à prévoir pour les constructeurs automobiles en Allemagne. Tout cela fait réfléchir forcément oui les acheteurs par ailleurs les constructeurs allemands n'étaient pas prêts pour les nouvelles normes européennes en vigueur depuis la rentrée de septembre. Volkswagen par exemple ne pouvait carrément plus fabriquer sa Golf, il a fallu stopper net la production dans certaines usines encore au mois de janvier, la production dans le secteur automobile était en baisse de près de 10% par rapport au mois de décembre. Et puis il y a eu les menaces de Donald Trump d'imposer une taxe douanière. On attend toujours. Alors depuis, bah, les exportations sont en chute libre alors que les États-Unis sont le premier marché des voitures allemandes, que 80% de ce qui est produit ici en Allemagne est destiné à l'export. Et puis dernier élément, il faut bien se mettre à l'électrique et la transition coûte cher, d'où la cure d'austérité et les suppressions d'emplois non par tous les constructeurs et beaucoup d'équipementiers. Sujet combien sensible, dans quelle mesure cette difficile reconversion pèse-t-elle sur l'économie allemande tout entière Ludo Il n'y a qu'à regarder le poids du secteur automobile allemand dans la richesse produite chaque année, 13% du produit intérieur brut. Une question que se posent les économistes, Fabien, vous avez parlé de reconversion vers l'électrique, est-ce qu'une fois achevée cette transition, la voiture allemande restera compétitive C'est une incertitude, disent les économistes. Économistes que j'ai contactés. Ce que je viens de décrire, c'est ce qui explique, même si ce n'est pas la seule raison, le risque de récession de l'économie allemande tout entière, en tout cas d'une croissance très très faible. L'Allemagne pourrait redevenir l'homme malade de l'Europe qu'il était autour des années 2000. Merci beaucoup, Ludovic Piétenu, correspondant permanent de France Inter, en Allemagne, des mobilités plus propres, moins chères. On le sait, la question du pouvoir d'achat arrive vite dès qu'on parle de transport et de mobilité. C'est sur cette promesse qu'ont été lancées en 2015, les cars. Macron, du nom de la loi concoctée par le jeune ministre de l'économie de l'époque. Un groupe allemand, justement, Flixbus, qui n'était au départ qu'une modeste start-up, s'est engouffré sur le marché français. Et avec succès, le directeur général de Flixbus France, Yvan Lefranc-Morin, sera notre invité dans une dizaine de minutes. Mais d'abord, avant de partir en voyage, nous allons essayer de passer notre permis de conduire. Voilà, on se trouve devant l'auto-école ECR de Sèvres et les anciens élèves trouvent porte close. Mais aucune information, aucun papier, rien du tout. Et pourtant, ça fait combien de temps Ça va faire 2-3 semaines, je sais pas, quelque chose comme ça, que c'est fermé. À part le courrier recommandé, il n'y a aucune information. Personne n'a contacté, personne ne répond. Et toi, Manuela, tu étais inscrite ici depuis combien de temps Je me suis inscrite en début septembre et j'ai terminé de payer en début de mois. J'ai échelonné les paiements. Donc ils m'ont bien pris mes chèques, ils m'ont fait payer sans première et surprise. Une fois le forfait payé, école fermée. Et du coup, t'as payé combien le forfait euh, J'ai pris le forfait le moins cher, vu que j'ai pas beaucoup de revenus et que je suis étudiante. J'ai payé 1000 euros pour un forfait de 20 heures, et au final, que j'ai pas consommé. Et j'ai pas encore eu le code, j'étais en train de le passer et je vais recommencer, mais du coup, aucun moyen d'avancer la conduite. Ça devrait pas arriver, vu le nombre de personnes, de jeunes, même de personnes qui ont pas les moyens de se le payer, mais qui font en sorte de réussir à le payer pour au final se retrouver devant une porte close. C'est vrai que c'est pas normal. T'as quel âge Moi j'ai 20 ans. À mon avis, j'ai vu ce c'est pas honnête. Vous étiez inscrite ici depuis combien de temps, Yolande À peu près un mois. Surtout pour nous, les petites gens comme nous, ce n'est pas facile. Pour perdre toute cette somme-là, c'est quelque chose. Hein? Qu'est-ce que vous faites, Yolande Vous travaillez Je suis auxiliaire des vies. Je m'occupe des personnes âgées. Combien que j'ai touche Combien Je touche 1400 euros. Mon loyer, 900. Il reste combien pour vivre quand j'ai payé l'assurance Pour vous, le permis, c'est beaucoup d'argent Ah, mais Pour moi, le permis, c'est beaucoup. Ça fait, ça fait mal. 1800 euros, c'est le prix à dépenser en moyenne pour passer son permis aujourd'hui. Ça reste une moyenne évidemment, tant les écarts peuvent grandir en fonction du nombre d'heures de leçons et en fonction des villes. Comptez 2100 euros à Paris, contre à peine 1460 à Belfort. Au nom de la baisse des prix, des plateformes d'auto-école en ligne ont vu le jour. Elles livrent, on vient de l'entendre, une concurrence acharnée aux auto-écoles traditionnelles au point de mettre toute une profession en péril. De nouvelles manifestations dauto écoles sont d'ailleurs prévues après demain lundi, mon permis moins cher, vraiment, avec quel professionnel C'est un reportage d'Anaël Verzo. Société de mandataire judiciaire. Aurore Lotte, collaboratrice de Maître Christophe Bass, mandataire judiciaire à Neuilly-sur-Seine. Et donc, vous êtes notamment chargée des sociétés page alors, ça correspond à Alors, à quatre auto-écoles qui sont à Boulogne-Billancourt, à Clamart, à Sèvres et à Issy-les-Moulineaux. Et pour quelles raisons est-ce qu'elles ferment Elles avaient des difficultés financières Alors, de grosses difficultés financières, en effet. On constate, comme l'avait expliqué la dirigeante de ces structures, une très forte baisse du chiffre d'affaires depuis 2015 sur l'ensemble de ces structures. Et donc, par exemple sur Fagebis, le CR de Sèvres, Tout à fait. On constate une perte très importante quand même de 99 509 euros. Alors, c'est très récent. Ça date vraiment de 2015, justement, l'entrée en vigueur de la réforme Macron. Qui a notamment libéralisé euh, la profession en permettant à des concurrents euh, qui ne sont pas moniteurs auto-écoles de s'installer sur le marché, par exemple. Et est-ce qu'il y a des chances pour qu'il y ait un repreneur pour euh, l'une de ces sociétés, FAGE, dont vous vous occupez ou... Alors, FAGE 3, on a un repreneur, mais c'est un magasin de cigarettes et donc il y a eu un changement d'activité lors de la reprise du bail commercial. Euh, et les autres sociétés, les dépôts des offres sont en cours, donc euh, à suivre. Des cigarettes électroniques qui chassent les auto-écoles. En France, en 2018, une auto-école sur quatre a fermé, victime des plateformes en ligne qui ont moins de charges sociales et fiscales à assumer et qui proposent donc des formations moins chères. Ok. Enchanté. Donc votre nom c'est. Anaël. Anaël. Et voilà. vous voilà. Moi, Gérald. Gérald. Mmh. Bon, bon, on va ouais. y aller, hein, de, toute façon. Euh... de toute façon. moi, je les pédale. Hein, S'il y a quelque chose, je rattrape. Hein. Faites ce que vous Ça savez va. faire puis on verra bien déjà. D'accord. Mmh. Bon. Donc le moteur. Alors la, la vitesse, dans cet endroit-là, moteur, vitesse, vitesse. Là, ah ouais. le frein. Euh, non, là, on va aller à pêche. gauche, mais pas la première, la deuxième, ah. au pied du grand bâtiment, là, Artélia. D'accord. Euh, le malade est là. Il est fou, lui. Ah, mais le mec, il a pas regardé, hein. il avait un truc en tête. Il okay, au... Voilà, ce qu'on va faire, vous allez vous arrêter ici. Voilà. Bah Merci beaucoup, hein. De rien. Et là, du coup, moi, je ne vous dois rien. J'ai payé par la plateforme. Voilà, hein c'est ça. J'ai payé 34 euros. 34. Ouais, je, je sais pas combien vous prenez. En fait, si vous Et voulez... vous, là-dessus, vous êtes payé combien Moi, 24 euros. Ah, d'accord. Ils mmh. prennent 10. Voilà, ils prennent le, une commission. C'est comme Uber, en fait. Oui, c'est ça. Parce que nous, les enseignants de la conduite, nous, nous ne sommes pas autorisés à facturer directement aux élèves, par contre. Il faut passer obligatoirement. Par une auto-école et donc le permis libre, c'est une auto-école agréée qui a un agrément de la préfecture. La différence, c'est qu'elle est dématérialisée, tout passe par Internet. Effectivement, ça se rapproche tout à fait du système Uber. Bonjour, donc je suis Lucas Tournel, cofondateur de la plateforme Le permis libre. Donc c'est une plateforme, mais surtout une auto-école en ligne. Total, il y a combien de moniteurs qui travaillent avec vous il y a un peu plus de 150 enseignants actifs et euh, il y en a surtout euh, plus de 700 qui sont en attente de démarrer euh, dans les euh, deux prochains mois un peu partout en France. Il va y avoir ouais. une explosion d'un coup de... C'est lié à la réforme Non, en fait, ils sont en attente parce qu'ils nous contactent ils en ont marre du système auto-école traditionnel ils ont envie d'évoluer ils ont envie de gagner mieux leur vie. Donc, euh, ils s'inscrivent sur la plateforme et puis euh, nous, on, enfin, on les active quand il y a de la demande de leur côté. Donc, euh, ça se fait au fur et à mesure. Et pour combien d'élèves actuellement Actuellement, on a 50 000 candidats en formation. Au total, quand on passe par vous, on dépense combien pour passer son permis En fait, ça dépendra surtout du nombre d'heures qu'on fait. En moyenne, un candidat fait entre 30 et 35 heures. Et chez le permis libre, 35 heures, on est autour de 1 200 euros. Dans une autre école, en tout cas en région parisienne, c'est plutôt autour de... Moi, j'ai payé 1 750 euros pour 35 heures. 35-45% plus cher que chez nous des forfaits moins chers, mais des délais d'attente qui peuvent s'allonger de plusieurs mois, parfois jusqu'à six mois, pour passer l'examen de conduite. Des gains de pouvoir d'achat, mais aussi une accélération des délais de passage du permis, c'est justement l'objectif du rapport parlementaire du Magherini, un rapport qui n'a pas fini de mettre en colère les auto-écoles traditionnelles. Patrice Besson, président national du métier éducation et sécurité routière au Conseil national des professions de l'automobile. Le problème économique. Et réel et sérieux, ça vient sûrement du pouvoir d'achat qui a diminué, mais ça vient également des annonces du président Macron. Il a fait une annonce en novembre en disant on va baisser dans les prochains mois drastiquement le prix du permis. Et quand vous annoncez ça, qu'est-ce qui se passe d'après vous Les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants pour passer le permis eh bien du coup ils attendent et donc pendant ce temps les écoles de conduite n'inscrivent pas. Donc c'est ce qui explique peut-être qu'à Paris, il y a eu un bon nombre de fermetures d'écoles de conduite. Est-ce que d'après vous, c'est également lié à la concurrence des plateformes Bien entendu, les plateformes ont une concurrence déloyale par des places qu'ils viennent voler aux candidats libres et dans un deuxième temps parce qu'ils utilisent des enseignants indépendants, ça n'existe pas. Juridiquement, un enseignant diplômé ne peut pas être une entreprise. Pour être une entreprise, il faut un local et un agrément. Et la chose la plus importante dont ne parle pas le rapport du Magherini, c'est de trouver les financements pour pouvoir passer son permis. Parce que la vraie question des jeunes, c'est celle-ci. Moi, je veux passer mon permis, mais je veux qu'il soit moins cher. On peut trouver des financements qui ne coûtera rien. Ce ne sera pas un impôt de plus. Ce sera la portabilité du CPF, compte personnel de formation des parents, par exemple. Ce sera l'utilisation des bénéfices des autoroutes à 2 à 3 milliards par an ou l'utilisation des recettes des radars. Tout cela, ça permettrait de faire un permis à zéro euros. Là-dessus, il n'y a strictement rien dans le rapport Guérini-Dumas à part d'attendre 2026 pour avoir une hypothétique baisse de la TVA. En attendant le permis à zéro euro, des structures proposent des aides au financement du permis, comme cette association, WeMove, qui nous a intrigués et que nous sommes allés voir. Mathieu la petite. je travaille pour WeMove, une association qui accompagne les publics dans leur mobilité. Quand je ne peux pas avoir mon permis en passant par une auto-école parce que ça coûte trop cher ou en passant même par les plateformes parce que ça coûte toujours trop cher, est-ce que je peux passer par vous Est-ce que ça s'adresse à tous les publics Quel public ça s'adresse au public qui rencontre des difficultés d'accès à la mobilité. On va accompagner tant des solutions pédagogiques que des solutions financières. On travaille beaucoup dans des quartiers avec des personnes en difficulté, beaucoup de jeunes en insertion. Par exemple, si je suis au chômage, je peux être invité par mon conseiller pôle emploi, à être mis en relation avec vous pour m'aider à passer mon permis. Exactement. Les publics que l'on rencontre nous sont adressés par des prescripteurs, pôle emploi ou les auto-écoles elles-mêmes. Et là, on va apporter une brique financière, information sur les financements, les aides financières, et aussi un encadrement humain, un coaching, des rappels, des leçons qui sont suivies, des simulateurs. Quand vous parlez d'aide financière, ça consiste en quoi exactement Vous n'apportez pas une aide directe Non, pas du tout. On va essayer de trouver un montage financier pôle emploi, un microcrédit, un autre financement de la collectivité. On trouvera toujours une solution, mais ça dépend vraiment des régions où on agit et, et voilà, des structures qui financent les permis. On estime qu'il y a entre 80 et 100 zones d'emploi qui sont couvertes par une activité similaire à WeMove. Le reste du territoire attend peut-être que la loi mobilité permette un déploiement sur ces territoires-là. Mon permis moins cher, vraiment C'était en reportage d'Anaël Verzo. Tous les samedis sur France Inter à 9h10. On n'arrête pas l'écho Fabien Cazot. Réduire la facture liée aux mobilités du quotidien après avoir déjà tenté de réduire celle des voyages. Les transports moins chers, c'était déjà au programme de la loi Macron en 2015. Une loi qui se proposait de s'attaquer aux monopoles et aux rentes de tout poil, accusée de confisquer du pouvoir d'achat aux Français. On écoute le ministre de l'économie de l'époque, c'était le 16 octobre 2014 sur France Inter. Lorsqu'on décide qu'on va maintenant ouvrir la possibilité, par exemple, de créer des lignes de car partout dans le pays, ce qui n'est pas possible, c'est pour nous, parce que ça crée des milliers d'emplois et ça redonne la possibilité d'être mobile à des millions de Français, qui sont les Français qui ont parfois le plus de difficultés à être mobiles pour aller chercher un emploi, pour aller euh, voir leur famille, se, se divertir, etc. Quatre ans plus tard, le ministre est devenu président. Le pouvoir d'achat croisé à la question de la mobilité et des transports reste une question plus centrale que jamais. Les cars Macron, issus de la loi du même nom, étaient censés apporter une partie de la réponse. Bonjour, Yvan Lefranc-Morin. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Flixbus en France. Flixbus, pour vous resituer, au départ, c'est une start-up allemande, jeune ou vieille de 6 ans. Comment on dit Ça va tellement vite chez vous. Plutôt vieille chez nous. Devenu euh, Flixbus, devenu un acteur incontournable des voyages pas chers en bus partout en Europe, 100 millions de passagers transportés dans 28 pays, dont la France, on y vient. Est-ce que vous vous dites que les crispations actuelles autour du pouvoir d'achat, ça devient presque un argument marketing pour vous aujourd'hui Voyez-vous une opportunité pour encore plus développer vos offres oui, il y a clairement une opportunité. On écoutait le président Macron qui parlait d'augmentation du pouvoir d'achat il y a quelques années. Je pense qu'on a complètement rempli cette mission. Aujourd'hui, les voyages en car, c'est le moyen de, de, de voyager par voie terrestre le moins cher qui existe. On est 30% moins cher que du covoiturage, par exemple. Donc de ce point de vue-là, on a bien effectivement rempli notre mission. Et effectivement, notre développement très très fort ces dernières années est clairement en lien avec le, le, les problématiques de pouvoir d'achat dont les Français sont effectivement très friands. Les prix sont toujours peu chers, ils ont augmenté, comment ils ont évolué depuis 2015 ou c'est stable les, les prix sont toujours très très peu chers. En réalité, on est parti de zéro en 2015, il a fallu qu'on éduque ce marché, donc on, est, on a commencé avec des prix très très agressifs. Mais aujourd'hui, euh, la moyenne des prix, euh, on, on tourne autour de 5 centimes du kilomètre pour donner une idée, et on reste 2 à 3 fois moins cher que le train en moyenne pour des trajets identiques. Alors, les prix pas chers, très bien, mais la qualité est-ce qu'elle est au rendez-vous euh, On se souvient au début des, des cars Macron, en tout cas, euh, beaucoup de déconvenus. On avait entendu des reportages pour les des voyageurs dans les gares routières, des retards, des bus supprimés. Euh, Est-ce que la qualité s'est améliorée Alors, il faut faire la distinction entre deux choses. Il y a le voyage en lui-même à bord de l'autocar. Et là, je crois qu'on peut dire que le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Euh, nos cars sont... 9, il y a du wifi, aujourd'hui on a lancé récemment un système de, de, de films à bord. C'est ça la, que vous appelez l'expérience euh, voyageur L'expérience voyageur. Il y a des toilettes, il y a, il y a de l'espace entre les jambes pour les jambes. Donc de ce point de vue-là, on peut vraiment dire que le, la qualité est au rendez-vous. C'est vrai qu'il y a, un, il y a un, encore une chose à améliorer aujourd'hui, c'est les infrastructures, les gares routières pour lesquelles finalement Flixbus, euh, nous ne sommes pas tellement décisionnaires. Nous, on subit euh, de temps en temps les, 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 la, la mauvaise qualité de ces gares routières. Et on travaille beaucoup avec les collectivités locales pour essayer justement de, de, de pousser à faire les investissements nécessaires à ce que la qualité soit au rendez-vous pour l'utilisateur le, le, avant et après son voyage. Oui, mais vous avez bien conscience que les collectivités locales, elles sont à l'os budgétairement. Comment bien, faire pour financer tout ça Bien sûr, c'est un, une question récurrente et on, nous fait, on fait souvent notre procès à ce sujet-là. Il faut savoir que nous, on paye l'accès à ces infrastructures. On paye de temps en temps très cher pour pouvoir accéder à ces infrastructures. Donc, on estime qu'en face de ce prix, il doit y avoir un service, effectivement, qui doit être rendu par la collectivité. Pour les voyageurs. Donc, en fonction du prix qu'on va nous demander, on va être plus ou moins, on va dire, euh, indulgent sur le, le niveau de service et le niveau de qualité. Mais en tout cas, effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là pour améliorer l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, il y a bien sûr l'activité voyage, mais il y a aussi tout ce qui a finalement déclenché aussi cette grogne autour des, des gilets jaunes, du pouvoir d'achat, les mobilités du quotidien, les trajets domicile-travail. Est-ce que ça, par exemple, c'est un marché pour vous Est-ce que vous êtes présent là-dessus Est-ce que vous y réfléchissez Alors, en réalité, on n'est pas présent dessus pour une raison très simple. C'est que la loi Macron de 2015, qui a libéralisé ce secteur, nous interdit de, de desservir des liaisons de moins, de, moins de 100 km. kilomètres les, les, les on va dire que les, les liaisons du quotidien c'est pas réellement pour pour nous et c'est pas vraiment notre cœur de métier euh, en Alors, revanche pour ceux qui travaillent vraiment très très loin voilà de, en revanche dans certains cas particuliers on peut demander des dérogations mmh. mais clairement c'est pas notre activité principale nous on est vraiment sur de la longue distance mmh. et pour revenir aussi à ce que vous disiez euh, il y a vraiment eu grâce à cette loi une inertie de mobilité qui a été créée en France 20% de nos voyageurs aujourd'hui sont des gens qui ne voyageaient pas auparavant parce qu'ils n'avaient pas de moyens de voyager à, à bon compte en, en tout cas le transport en commun sur autoroute par exemple, ça pourrait se développer C'est en réalité un petit peu ce qu'on fait. Hein. 80% des kilomètres qu'on roule en France sont, sont roulés sur l'autoroute. Et quand on arrive à mettre 40-50 personnes dans un car, c'est clairement du transport en commun. Alors on se souvient que vos cars avaient profité à plein des grèves à la SNCF le printemps dernier. Un an plus tard, autre mobilisation, celle des Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a eu un impact sur votre activité On a constaté un impact qui n'a pas été... Excessivement fort, mais qui a été tout de même sensible pour notre activité. On va dire que depuis quelques semaines, cet impact est en train de diminuer, mais oui, on a senti clairement l'effet le, le, gilet jaune. Vous avez quand même de solides concurrents hein, ici en France avec le géant Wibus Blablacar adossé à la SNCF. Dans votre pays d'origine, en Allemagne, Blablacar compte venir vous titiller. Mais ils sont de moins en moins nombreux, ces concurrents. Il y a beaucoup de concentration dans le secteur. Vous n'êtes plus très nombreux. Euh, Est-ce que cette concentration elle ne se fait pas ou elle ne risque pas de se faire au détriment du consommateur et des prix alors, on ne pense pas, c'est assez naturel, on était euh, cinq acteurs euh, sur la ligne de départ il y a quatre ans en France, on va effectivement se retrouver à trois ou deux acteurs dans, dans les mois qui viennent. Euh, cette, cette concentration, on l'a connue dans beaucoup d'autres pays européens, elle n'a jamais provoqué de hausse de prix, pour une raison assez simple, c'est qu'en réalité, on est sur un monde de la mobilité qui est beaucoup plus large que notre secteur des cars, et que finalement, le, le, le consommateur, lui, peut très facilement passer d'un mode de transport à l'autre notamment en fonction des prix, ce qui fait que finalement, ça, ça limite toute velléité de vouloir augmenter les prix trop fortement, parce que ça serait très contre-productif pour nous. Flixbus est-elle une entreprise rentable aujourd'hui euh, Ni vous, ni vos concurrents ne récemment Alors nous, Flixbus, on est rentable à l'échelle du groupe. On ouais. est présent dans 29 pays, euh, sur deux continents, en Europe et aux États-Unis. En France, pas encore hein. En France, pas encore. Effectivement, c'est un des marchés les plus compétitifs euh, sur lesquels on évolue en Europe. On est assez confiant sur notre capacité à le devenir dans les, dans les années qui arrivent. Est-ce que vous attendez quelque chose de la loi mobilité euh, présentée par le gouvernement euh, qui sera euh, votée au Sénat mardi Oui, bien sûr, on a, on a des enjeux assez forts. Euh, notamment des enjeux qui vont tourner autour de euh, par exemple l'accès à des voies dédiées sur autoroute c'est une des choses qu'on est en train de pousser parce qu'on estime qu'en tant que justement transport euh, en, en, en commun euh, on participe bah, à, à, finalement à vider un petit peu les routes des voitures individuelles qui sont clairement nos principaux ennemis, hein, les, les, pour nous, le, 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 le fait de pouvoir participer à ça, c'est très important. Et donc, euh, il y a pas mal de sujets qui, dans la loi mobilité, pourraient nous aider à encore plus, plus nous développer, ou en tout cas à, à nous aider effectivement à, à casser certaines barrières qui existent encore et qui sont un frein au développement de notre activité. Alors justement, vous parlez du, du développement de votre activité. Euh, quelles sont les pistes identifiées pour vous sur lesquelles vous euh, vous travaillez pour les prochains mois, les prochaines années euh, Des nouvelles lignes sans doute, euh, un étoffement du réseau. Oui, alors on continue d'étoffer le réseau de façon très très significative. En 2019, on va croître de 30 par rapport à 2018 en ce qui concerne le nombre de lignes qu'on va lancer. Donc on continue vraiment de mailler le territoire le plus possible. Notre ambition, c'est vraiment d'offrir une offre qui soit la plus complète possible à nos consommateurs, à la fois en France mais aussi en Europe puisqu'on est un vrai réseau européen, on va lancer cette année notre activité en Russie donc on va être capable de proposer des trajets euh, en tout cas, théorique entre le Portugal et la Russie en Europe. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une offre standardisée qui soit la même partout en Europe et qu'en deux clics, via l'application, on puisse très facilement réserver des voyages toujours euh, moins chers. Il y a des publics en particulier que vous visez. On pense évidemment aux jeunes les plus euh, connectés, ceux qui vont faire la démarche d'aller sur une appli. Mais euh, est-ce que les, les, les publics plus âgés aussi, vous avez un, un discours bien. en direction Comment on les. Ouais, bien sûr. On raccroche Alors, les wagons. De, de, fa de façon historique, effectivement, c'est plutôt les jeunes qui ont été nos premiers mes clients mais de plus en plus on se rend compte que ce mode de transport en fait est, est parfait pour, pour beaucoup d'autres types de clients notamment pour les personnes âgées. Donc effectivement, ça va être des modes d'acquisition un petit peu différents. Les personnes âgées vont préférer probablement aller acheter leurs billets dans des boutiques physiques ou via des canaux plus traditionnels. Donc on est aussi en train d'étoffer notre, notre offre de ce point de vue-là pour pouvoir être capable de toucher tous les publics. Parce que tous les publics, en réalité, sont intéressés par ce mode de transport très qualitatif et pas cher. C'est aussi ce que fait la SNCF, votre grand concurrent en France oui, on voit qu'effectivement, il, 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 il y a des sujets autour de la distribution dans les bureaux de poste. Euh, nous, on est, on est aussi, par exemple, distribué dans des bureaux de tabac un petit peu partout en France. Et effectivement, euh, cet enjeu, c'est d'être le plus accessible euh, facilement possible, que ce soit online ou euh, via des canaux de distribution physique. Merci beaucoup, Yvan Lefranc Morin, directeur général de Flixbus France, d'avoir été notre invité ce samedi. Euh, merci à vous. Merci beaucoup. Ma vie au boulot, je ne sais pas comment ça se passe chez Flixbus, les entretiens annuels d'évaluation. Ça se passe bien. Euh, C'est assez classique en réalité. Là-dessus, on n'a on pas spécialement innové. Euh, on, est, on est en ligne, je pense, avec ce qui se fait dans l'industrie. Ils sont obligatoires chez vous Oui, bien sûr. Alors, Sandrine <laughs> Foulon, rebonjour. Bonjour, Fabien. Vous vouliez répondre ce matin à un de nos auditeurs, Vincent, qui nous interroge sur le site Franceinter.fr, sur la page de l'émission. Toutes vos questions, ils sont les bienvenues, on le rappelle cas pratique Vincent travaille dans une entreprise de 7 personnes, il peut donc interpeller ses directeurs au quotidien, leur signaler des problèmes. Du coup, Sandrine, est-ce que Vincent est obligé de passer un entretien annuel d'évaluation Vincent, rien n'oblige un employeur à mettre en place un entretien annuel d'évaluation sauf si la convention collective prévoit le contraire. Le seul rendez-vous obligatoire entre vous et votre chef, c'est l'entretien professionnel. Tous les deux ans. C'est l'occasion de parler de votre évolution, des formations que vous pouvez suivre. C'est loin d'être anodin. L'employeur est obligé de maintenir votre employabilité, votre capacité à occuper un poste, sous peine de sanctions. Mais voilà, si votre direction décide d'instaurer un entretien annuel d'évaluation, vous ne pouvez pas vous y soustraire. C'est sa prérogative d'employeur de pouvoir vous évaluer. Pas n'importe comment, bien sûr. Il ne peut pas vous fixer des objectifs inatteignables ou vous noter, selon des critères, Critères comportementaux du style être sympa ou faire preuve d'audace. Il ne peut pas non plus vous classer, surtout si vous êtes 7 dans l'entreprise. Les critères d'évaluation doivent être pertinents, objectifs et transparents. Mais ce n'est pas parce que vous échangez au quotidien que vous pouvez échapper à ce face-à-face. -face. Vous risquez même gros à refuser ce rendez-vous. Une sanction disciplinaire qui peut aller jusqu'au licenciement pour faute. Sans aller jusque-là, Vincent a plutôt l'air de dire que ce serait du temps perdu pour lui parce qu'il échange déjà avec sa direction. Bon, formaliser les choses et les écrire, c'est parfois mieux que d'échanger en réunion ou autour d'un sandwich, surtout sur des questions qui touchent à votre métier, à l'organisation du travail. C'est le moment de parler salaire, de télétravail, de droit à la déconnexion, de santé et de sécurité. C'est aussi une façon de vous prémunir contre les mauvaises surprises. Si vos entretiens sont toujours satisfaisants année après année, une nouvelle direction pourra plus difficilement arguer d'une soudaine insuffisance professionnelle. Et si vous n'êtes pas d'accord, avec le contenu de l'entretien, vous pouvez refuser de le contresigner. Mais vous n'êtes pas seul, Vincent, à penser qu'il vaut mieux multiplier les rendez-vous dans l'année plutôt que de se concentrer sur un seul entretien, beaucoup trop axé sur les performances et dont l'efficacité reste à prouver. L'entretien annuel devient ringard. Des grandes entreprises, surtout dans le numérique et le consulting, l'ont abandonné au profit de points trimestriels plus concis. C'est une alternative que vous pouvez proposer à votre employeur. Pourquoi pas d'ailleurs, Vincent lors de votre prochain entretien annuel d'évaluation. Sandrine Foulon, ma vie au boulot, merci beaucoup. Le Magico baisse le rideau, on n'arrête pas l'écho. Revient samedi prochain, 9h10. À la semaine prochaine.